Inclinons nos têtes juste un moment. Notre Père céleste, que cela ne vienne pas seulement de nos lèvres, mais du plus profond de notre cœur. Seigneur, je crois. Et qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous donne un autre baptême. Que notre sérieux et le meilleur de ce que nous avons à donner à Dieu soit mis en avant aujourd'hui. Nous voyons cette grande nation qui est la nôtre se briser en morceaux. Le péché s'insinue de toutes parts. Mais au milieu de tout cela, comme notre frère l'a enseigné l'autre soir dans le message de ta parole, l'Église fleurit en même temps. Maintenant, Dieu, nous sommes heureux d'être de ce côté. Aide-nous aujourd'hui, bénis la congrégation des gens, bénis ce peuple partout. Et Dieu, sur les autoroutes, nous pensons à tant d'accidents et de choses qui se passent. Beaucoup sont tués et d'autres choses. Dieu, sois miséricordieux. Je prie pour que tu retiennes la main de la mort sur beaucoup aujourd'hui, spécialement sur ton peuple partout, Seigneur. Et pour les pécheurs, qu'il se passe quelque chose qui les amène à la réconciliation avec Dieu. Accorde-le, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Bonsoir les amis. Je suis très heureux d'être ici ce soir, ou plutôt cet après-midi. Au Kentucky, c'est le soir, vous savez. Et je n'arrive jamais à m'habituer à avoir le dîner à l'heure du souper. J'ai l'impression d'avoir perdu un repas quelque part. C'est toujours le petit déjeuner, le dîner et le souper. Et on essaie de me dire que mon dîner se termine à 6 heures. Maintenant, quand allons-nous manger le souper? C'est ce que je veux savoir. Certains disent, « Oh, frère Branham, vous n'avez tout simplement pas raison. » J'ai dit, « Oui, nous aussi, le Seigneur n'était pas le Seigneur. Il a pris son souper. C'est appelé le souper du Seigneur, c'est vrai. » C'est très bien, merci. Frère Bosé vient de me dire qu'ils ont pris une offrande missionnaire cet après-midi. Eh bien, j'apprécie vraiment cela. Il y a une chose dans laquelle on ne peut pas se tromper, c'est de donner pour les missionnaires. Et je l'apprécie certainement du plus profond de mon cœur. Monsieur Joe Carroll, Joseph Carroll de Sydney en Australie, est-il dans le public cet après-midi? Je l'ai vu hier soir, s'il veut bien lever la main quelque part. Joe Carroll de Sydney, Australie. Êtes-vous ici, frère Carroll? Levez-vous. Je veux que vous rencontriez le gérant, M. Baxter, dans l'aile gauche tout à l'heure. Je ne sais pas, il était à la réunion hier soir. C'est un de mes amis très personnels. Je suppose qu'il n'est peut-être pas à la réunion de l'après-midi. Maintenant, revenons à l'offrande missionnaire. Nous vous en sommes très reconnaissants. Nous savons que lorsque vous faites un travail missionnaire, vous faites exactement ce que le Seigneur a dit, n'est-ce pas? Car il a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature. Et c'est l'ordre général de Jésus-Christ. Et nous savons donc que c'est juste. Nous ne pouvons pas nous tromper lorsque nous faisons un travail missionnaire. Et maintenant, pour nous-mêmes, c'est ce que je ferai avec tout l'argent que je trouve en dehors de ce que je dois manger. Et peut-être parfois, je vois un petit quelque chose qui doit être fait. Une pauvre femme sans charbon ou autre. Je n'enlève pas ça au missionnaire. Je le prends sur moi parce que c'est l'argent de Dieu, le missionnaire. Et ces choses, je pense que les dîmes et ce genre de choses, nous devrions être très stricts sur ce que nous en faisons, car c'est l'argent de Dieu. Et dès que nous en réunissons assez pour aller outre-mer, alors nous partons. Avant, quand il y avait beaucoup d'argent, nous allions dans une ville. Nous prenions des offrandes, peut-être pour 2 soirs. Après 7 ou 8 soirées, nous avions assez d'argent pour payer toutes les dépenses. Alors, nous ne prenions plus d'offrandes et nous laissions ainsi. Et puis, peut-être que le dernier soir, nous faisions une offrande d'amour. Et puis, s'il nous restait un surplus, nous le donnions à différentes organisations
comme des œuvres de charité, des choses comme ça. Nous ne sortions pas de la ville avant qu'ils nous appellent Holy Rollers, ou les guérisseurs divins. Et j'ai donné à une certaine organisation de l'argent une fois, et je leur ai simplement remis des centaines et des centaines de dollars qui ont été dépensés lors d'une grande réunion à laquelle j'ai participé. Et il y avait là un représentant qui descendait la rue voulant un Cadillac, portant un anneau de diamant qui avait probablement coûté 1000 dollars au plus, fumant un gros cigare comme ça, recevant environ 500 dollars par semaine pour distribuer l'argent. Ce n'est pas juste. Non, monsieur. C'est juste étrange que nous, les chrétiens, ne soyons pas organisés comme nous devrions l'être. Je veux dire, dans une fraternité. Je suis entré dans un restaurant ici dans votre ville l'autre soir et j'ai eu la pire engueulade que j'ai jamais eue de ma vie parce que les gens de cette église venaient manger dans ce restaurant. C'est exact. Oui. Le type a dit, on ne veut pas d'eux ici. J'ai dit, eh bien, monsieur, il a dit, quel genre de groupe êtes-vous de toute façon? Et j'ai dit, eh bien, nous sommes des chrétiens. Il a dit, vous ne m'avez même pas dit que vous veniez. Comment je pouvais savoir que vous veniez par ici? Il a dit, on dirait que vous devriez avoir un système pour ça. J'ai dit, on ne va pas faire le tour de la ville pour dire au restaurant ce qu'il doit faire. J'ai dit, les gens viennent juste, monsieur, et ils veulent manger. Eh bien, il ne se souciait pas du tout qu'ils viennent ici. J'ai dit, bien sûr, je dois avoir beaucoup d'affaires. Eh bien, c'est vraiment dommage. Eh bien, nous devons juste supporter. Notre jour arrive. C'est vrai, notre jour. Ceci est le jour de l'homme. Le jour du Seigneur viendra. C'est vrai. Je suis resté une fois debout pour regarder le défunt président Roosevelt quand il est venu dans une petite ville chez nous à New Albany, en Indiana. J'ai travaillé là-bas sur les grandes lignes comme monteur de ligne. Je suis descendu et je pensais, eh bien, ils nous ont dit que nous pouvions descendre et l'entendre. Il allait faire un petit arrêt en traversant la ville. Et tout le monde s'était rassemblé. Eh bien, quand nous, les ouvriers, sommes arrivés là, eh bien, j'ai dû monter sur le toit d'un hangar tout en haut pour voir l'homme sortir. Je pensais, eh bien, c'est très bien, puisque tout allait bien. Je me suis dit, vous savez quoi? Juste les fonctionnaires de la ville et ainsi de suite étaient là près de l'arrière du train où ils pouvaient voir le président et lui parler. Je pensais, mais vous savez, quand Jésus viendra, je serai l'un des officiels qui seront placés là. Amen. Alors je pensais, ce sera merveilleux quand nous verrons Jésus. Et récemment, M. Baxter ici, il est parti maintenant, je suppose, alors je vais parler de lui. Il a cette dignité britannique, vous savez. Et donc, quand le roi, vous savez, le défunt roi, celui pour lequel j'ai prié, avait été guéri de la sclérose en Pâques, de la thrombosclérose plutôt, et quand il était au Canada, il descendait dans la rue, où Frère Baxter est canadien, vous savez, et il descendait la rue où le roi défilait et sa reine était là, vous savez, avec sa belle robe. Et le frère Baxter était là. Et quand il était au garde à vous, lorsque le roi passait comme ça, et qu'il remarquait les larmes qui coulaient de ses joues aussi vite qu'elles pouvaient. Pourquoi? Son roi passait. Et je pensais, oh, alléluia! Un jour, notre roi aussi va passer. Vous parlez d'un temps que nous aurons alors. Oui, monsieur. Je veux être juste à côté de lui, pas vous. Et rappelez-vous, c'est son épouse avec lui. C'est ce que c'est. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Et merci mille fois pour votre gentillesse. Maintenant, je n'aurai pas le temps de parler, car beaucoup d'entre vous nous ont envoyé des petits cadeaux et des choses par mon garçon et par frère Baxter et frère Bosé, et des petites boîtes de biscuits, et ainsi de suite, et un petit panier de pêche, et même des tomates. J'en ai mangé autant que je pouvais, et j'ai passé un merveilleux. Et vous savez quoi? Au plus profond de mon cœur, je me sens tellement bien. J'apprécie juste ça. C'est vrai. Et une petite fille qui était aveugle, venait de recouvrer la vue dans son œil ici au tabernacle. Et elle a fait un petit dessin comme ça et me l'a donné. Eh bien, tant que je peux en prendre soin, je l'aurai. C'est vrai. Et je me souviens toujours de ces choses. Et parfois, lorsque je suis vraiment fatigué, je descends dans ma tanière, là, un endroit au sous-sol, parce que la maison est souvent remplie de gens qui vont et viennent, vous savez. Alors je descends là, et pendant un petit moment, et je deviens vraiment mélancolique parfois. Je m'installe là et je regarde.
Oui, je me souviens de ce pauvre Suédois qui m'a donné ça et ce Norvégien qui m'a donné ceci. Vous savez, je me souviens de cette petite fille, de ce petit garçon et de cette femme dont le bébé a été guéri. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, je suis prêt à remonter, à recommencer à prier pour les malades alors. Je crois que nous reprenons un nouveau courage, ne pensez-vous pas? Et juste des petites choses comme ça. En Afrique, un petit bâton, un gars le tenait en main, il me l'a donné, je l'ai pris. Je l'ai gardé et je l'ai ramené à la maison. Un petit bâton, une sorte de petit knockbilly ou quelque chose comme ça, comment il l'appelle, et il le tenait en main. Et c'était, et là au Japon, une petite paire de chaussures, à peu près comme ça. Je ne pouvais même pas y mettre mes orteils. Et juste des couteaux et juste des choses comme ça que quelqu'un vous donne, vous savez. C'est un trésor pour mon cœur. Parce que ça représente le cœur de quelqu'un d'autre, vous savez. Et souvent, quand nous prenons des photos à la réunion, quand je retourne dans les montagnes tout seul, eh bien, je retourne là-haut et je prie. Et quand je suis là-haut, je prends parfois ces photos avec moi. Je prie pour les différents participants en réunion. Donc, toutes ces choses, Dieu a juste des enfants dans le monde entier. Et vous savez, le côté triste de tout ça, quand j'arrive, je vois cette personne, je vois qu'il vient souvent à l'église et je rencontre cet homme. Alors, la première chose que je sais, c'est que je dois dire, eh bien, au revoir, j'espère vous revoir. Et quand nous commençons à partir, c'est comme si j'étais resté ici assez longtemps pour m'habituer à ces gens, ici à Chicago. Et maintenant, si je devais partir, c'est comme si je quittais à nouveau la maison. Mais un de ces jours, nous allons nous rencontrer là où nous ne nous séparerons plus jamais. C'est bien ça. Nous allons nous rencontrer là où nous ne devrons plus jamais nous dire au revoir et nous séparer. Je me souviens de la dernière fois que mon petit garçon, là-bas, sur sa mère, quand je me tenais à ses côtés, les anges de Dieu l'ont emmené. La dernière fois que je l'ai embrassé, elle a dit, « Bill, je me tiendrai du côté est de la porte. » J'ai dit, « Quand Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres entreront, commence à crier mon nom, je te trouverai. » J'ai dit, « Je vais rassembler les enfants et nous allons y arriver. » Eh bien, j'ai pris des rendez-vous comme ça à travers le monde avec des gens. Je veux vivre correctement et quand ce jour arrivera, je sais qu'il y a une grande chambre noire devant moi, comme chez tout le monde. Chaque fois que votre cœur bat, vous vous rapprochez un peu plus de cette chambre. Cela s'appelle la mort. Et chacun d'entre nous s'y dirige. Mais je veux dire, comme le saint Paul d'autrefois, je veux le connaître dans la puissance de sa résurrection, afin que lorsqu'il appellera mon nom, je sois appelé d'entre les morts pour vivre avec lui pour toujours et avec tout son peuple. Maintenant, je ne savais pas que j'allais prêcher cet après-midi. Frère Baxter vient de m'appeler il y a quelque temps. Il m'a dit, « Frère Branham, nous voulons que vous veniez et que vous parliez un peu cet après-midi. » J'ai dit, « Oh mon Dieu, n'en ont-ils pas eu assez l'autre jour ?» Je pensais à quelque chose ici dont j'allais parler à Moïse. Combien se souviennent de Moïse quand Dieu lui a dit, « Qu'est-ce que tu as là dans la main ?» Il a dit, « C'est un bâton. » Et Dieu l'a utilisé. Mais je crois que maintenant, en regardant cette foule, le Saint-Esprit semble me diriger vers un autre endroit, et nous allons lire juste un peu de Saint Jean. Et priez pour moi, et je veux juste vous parler un court moment. Je sais que vous vous installez ici, que c'est votre temps de vacances, et que vous sacrifiez votre temps d'être ailleurs pour venir à l'église. Cela montre où est votre cœur. C'est vrai, cela montre ce que vous êtes. Alors inclinons nos têtes pour un mot de prière. Père Céleste, maintenant, nous te confions toutes choses. Ce charmant groupe de personnes ici cet après-midi, nous sommes ici. Ils sont blancs de couleur, jaune, brun, toutes les différentes nationalités, irlandais, des juifs, mexicains, anglo-saxons et tout. Nous sommes ici tous ensemble, groupés, tous remplis de l'Esprit, attendant la consolation de l'Église, la seconde venue de Jésus-Christ. Cela pourrait arriver aujourd'hui. Quelle heure glorieuse pour que cela ait lieu! Et Père, je prie pour que nos cœurs soient émus en pensant à cela.
Car tu as dit, lorsque les signes que nous voyons apparaître maintenant, de relever nos têtes, notre rédemption est proche. Et je prie simplement, Dieu, que tu bénisses l'Église, frère Bozé, l'Église de Philadelphie, qui parraine la réunion ici. Dieu, nous prions pour que tu leur donnes la très grande abondance. Et bénis ce tabernacle, Seigneur, ce grand endroit ici, où beaucoup de tes serviteurs qui sont sous ton autel aujourd'hui, là avec toi, ont prêché dans cette même chaire. Ce merveilleux grand évangéliste Billy Sunday et Paul Rader et beaucoup d'autres qui ont traversé le Jourdain. Père, nous prions pour que tu envoies la puissance qui était sur eux, qui a apporté la conviction aux pécheurs. Envoie-la cet après-midi. Le même Saint-Esprit vit et règne toujours, veillant sur l'œuvre. Moi, le Seigneur, je l'ai planté, je l'arrose jour et nuit, de peur que quelqu'un ne l'arrache de ma main. Accorde-le, Père. Bénis le pasteur ici. Bénis tous les anciens, les diacres, tout le reste. Bénis-les ensemble et les laïcs. Bénis-les. Pardonne-nous nos péchés et bénis chaque église qui est représentée, chaque organisation et chaque corps. Car nous ne sommes pas divisés, nous sommes tous unis en Christ. Maintenant, aide ton humble serviteur cet après-midi, Seigneur, ne sachant pas quoi dire, mais croyant que tu fourniras ces choses, je m'engage envers toi, avec cette église, à ce que tu circoncises mes lèvres pour dire la chose juste et les cœurs des gens à la recevoir, et que le Saint-Esprit prenne la parole de Dieu et la donne à chaque cœur selon nos besoins. Car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le 14e chapitre de Saint Jean, qui est un endroit très familier, que les gens lisent partout. Beaucoup de gens, c'est leur chapitre préféré. Je suppose que si je demandais cet après-midi combien de personnes préfèrent ce chapitre, beaucoup de mains se lèveraient dans le bâtiment. Combien au juste? J'ai vu certains d'entre vous lever la main. Le 14e chapitre de Saint Jean, l'un des chapitres préférés. C'est un chapitre très consolant. Maintenant, je désire en lire les 7 ou 8 premiers versets. Et ensuite, si le Seigneur le veut, nous en parlerons un peu. Maintenant, je veux annoncer, ce soir, c'est la soirée de clôture. Maintenant, il y aura une grande expectative ce soir. Vous verrez probablement plus d'œuvres du Seigneur ce soir que n'importe quel autre soir. Et c'est toujours comme cela dans les réunions, parce que les gens, s'ils veulent croire, ils doivent le faire maintenant. C'est tout. Il faut que ce soit maintenant ou pas du tout, et c'est là que vous voyez habituellement la plus grande réunion, c'est le dernier soir. Maintenant, nous lisons dans Saint Jean 14, ces versets, « Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et si je vais vous préparer une place, je reviendrai vous recevoir en moi-même, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous connaissez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous connaître le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et désormais, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à ses paroles. Je vais prendre ce dernier verset comme titre, comme texte. Combien d'entre vous croient que Dieu existe? Voyons. Combien d'entre nous aimeraient voir Dieu? J'aime juste. Eh bien, si je peux vous le montrer, cela vous rendra-t-il heureux? Très bien. Maintenant que Dieu m'aide à le faire. Maintenant, j'étais désavantagé. Beaucoup de gens m'ont posé des questions sur la photo de l'ange du Seigneur. Combien ici ne l'ont jamais vue? Voyons vos mains. Qui n'a jamais vu la photo qui a été prise? Il y a un groupe d'entre vous ici qui ne l'a jamais vue. Nous l'avons, mais je n'ai pas pensé à la porter cette fois-ci. Maintenant, elle a été prise scientifiquement. Ce n'est pas ma photo. Elle appartient à l'Association américaine des photographes. Et nous étions très reconnaissants que le Seigneur vienne se faire photographier avec nous. C'était lors d'une réunion et d'une discussion. Un prédicateur baptiste avait dit que la guérison divine n'existait pas, que le temps des miracles était passé, et il était venu pour débattre de la question, et vous connaissez l'histoire.
Et l'ange est venu. Et j'ai dit, je ne peux pas être un guérisseur, monsieur. Pas plus que vous ne pouvez être un sauveur. Mais j'ai dit, Dieu ne témoigne jamais d'un mensonge. Il témoigne de la vérité. Et si je témoigne de la vérité, Dieu témoignera de moi. Je n'ai fait que dire cela et quelque chose a fait. Et le voilà qui est descendu. Et il était là juste au-dessus de moi comme ça, l'ange du Seigneur, debout, avec 30 000 personnes qui nous regardaient. Ils ont pris la photo et l'association a pris la photo. Ils ont dit, ça ne peut pas être la psychologie. Ils sont allés l'examiner. Ils l'ont mise dans l'acide et l'ont testé. L'homme a eu une crise cardiaque qui a testé la photo et ils l'ont apporté à George J. Lacey, le chef du FBI. Et il l'a examiné pendant 4 jours et a déclaré que c'était un être surnaturel qui avait frappé la lentille. Vous voyez, juste à ce moment-là, ne vous inquiétez pas. Si Dieu vous envoie, allez-y. Vous voyez, Dieu s'occupera du reste. N'est-ce pas merveilleux? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres choses seront ajoutées. N'est pas à vous inquiéter. Dieu a tout. Maintenant, en parlant de Saint Jean 14, nous voulons regarder Dieu et voir si nous pouvons voir Dieu. Maintenant, c'est la question depuis des années. Si seulement je pouvais voir Dieu. Nous allons y regarder cet après-midi et le voir. Nous aurons peut-être le temps de regarder Dieu de 3 ou 4 façons. Puis nous verrons si nous pouvons voir Dieu venir ici même dans le bâtiment. Très bien. Prenons Dieu dans son univers. Dieu dans sa parole. Dieu dans son Fils. Et puis ramenons Dieu dans son peuple. Et voyons s'il n'est pas là dans son peuple aussi. La première chose à laquelle nous voulons penser, c'est que tout le monde a toujours désiré voir Dieu. Job a voulu le voir une fois. Il a dit, « Oh, si seulement je savais, en d'autres termes, où il habite, je pourrais aller frapper à sa porte et il me laisserait entrer. » Et puis Dieu a dit à Job, il a dit, « Saint terrain, car il a lui parlé. » Et Dieu est descendu dans un tourbillon et il a parlé à Job. Et j'aime cette partie-là. Il a dit, « Où étais-tu quand j'ai posé les fondations du monde ?» Oh là là, Job pensait qu'il était quelqu'un. Et vous savez, le meilleur moyen de monter est de descendre. C'est bien ça? Et vous entendez des gens qui sont toujours, vous savez, en train de se vanter et ainsi de suite sur notre grande église. Et tu te souviens, mon frère, regarde dans le champ de blé. Un épi lourd, bien rempli, s'incline toujours. C'est bien ça? Un épi de blé s'incline. C'est ce qui se dresse, qui s'agite, et c'est juste une cloque, il n'y a rien là-dedans. Alors, Job commence à penser de cette façon, il était une grande personne, et Dieu a dit, « Maintenant, où étais-tu quand j'ai posé les fondations du monde? Où sont fixées les extrémités? Déclare-le-moi. » Et il s'est ceint les reins, et Dieu est descendu et lui a parlé dans un tourbillon. Mais le cœur de Job avait faim de voir Dieu. Oh, comme il avait envie de le voir. Et tout être humain a envie de le voir. Il n'y a pas longtemps, un excellent prédicateur presbytérien me parlait sur la côte ouest. Il a dit, « Révérend Branham, des sectes comme la vôtre. » J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Ils viennent avec cette guérison divine et des trucs comme ça. Nous étions autrefois une église puissante le long de la côte ouest. Et vous savez ce qui a brisé nos églises? » J'ai dit, « Non. » Il a dit, « Ce qui a brisé nos églises, c'est la science chrétienne. » Ils viennent, j'ai dit, « Exactement. » Les gens, chaque personne est un être surnaturel qui a faim et soif de quelque chose. Et si vous ne lui donnez pas la bonne chose à manger, s'il a faim, il mangera dans une poubelle. C'est exact. Si vous, les presbytériens, aviez prêché le plein évangile et dit la vérité, il n'y aurait pas eu de science chrétienne, ni aucune autre secte. Si l'Église se laisse aller, c'est ce qui provoque ces choses. Je ne dis rien contre la science chrétienne, je ne dis rien contre l'Église de personne. Je dis que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un bon vieil évangile exposé, l'évangile complet exposé aux gens. Et c'est exactement ça, sans les auspices de telle ou telle église, juste l'évangile prêché dans sa simplicité. Et Jésus a dit, « Si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Maintenant, parlant de ce grand patriarche Job, comment il voulait voir Dieu, et je pense à lui, le grand homme qu'il était. C'était un grand homme. Et tous les princes de l'Orient, quand il entrait dans la ville,
Ils se prosternaient devant lui comme ça. Et puis Satan a dit un jour, « Je vais te montrer que je peux le faire te maudire en face. » Et comment? Il a fait tout, sauf ça. Il a maudit le jour de sa naissance. Il a dit que les étoiles ne brillent pas la nuit, ni le soleil le jour. Mais il n'a pas maudit Dieu. Donc je le vois accablé de furoncles sur le tas de cendres. Oh, j'ai prêché sur ce sujet une fois pendant environ 3 semaines. Et plusieurs lettres sont arrivées disant, « Dites, frère Branham, quand allez-vous sortir Job du tas de cendres ?» Je le garde sur ce tas de cendres parce que c'était l'heure de sa décision. C'était juste le moment crucial. Et assis là, à gratter ses furoncles, et quel spectacle misérable! Il avait perdu ses enfants, il a perdu la santé, il a perdu ses biens, ses chameaux, tout ce qu'il avait était parti. Et il était là, pauvre, à gratter ses furoncles avec un morceau de jarre ou quelque chose comme ça. Et sa femme s'est même retournée contre lui. Elle est venue à la porte et a dit, « Job, pourquoi ne pas maudire Dieu et mourir? En d'autres termes, tu as l'air si misérable. » J'aime ça. Job a dit, « Tu parles comme une femme insensée. » Maintenant, il n'a jamais dit qu'elle était folle, mais elle parlait comme une folle, voyez. Il a dit, « Tu parles comme une folle. » Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, c'est comme ça que j'aime le voir. Béni soit le nom du Seigneur. Il avait vu Dieu. Dieu est descendu dans un tourbillon et lui a parlé. Voyez, et il savait que Dieu était. Et j'aime aussi cette partie. Et alors, voici venir ce petit prince Élihu. Et si nous avions le temps de sortir ce nom, Élie, là, Yahweh, etc., qui est le représentant de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il est venu voir Job et l'a corrigé pour ce qu'il avait dit. Il a dit, « Ne méprise pas ma jeunesse maintenant. » Mais il a dit, « Tu accuses Dieu de quelque chose qui n'est pas juste. » Alors il a commencé à redresser Job. Il n'a pas accusé Job comme les membres de son Église. Maintenant, il a fait venir un groupe de membres de l'Église et ils se sont installés en lui tournant le dos pendant 7 jours. Quel réconfort! L'accuser d'être un pécheur secret. Mais Job savait qu'il n'avait pas péché. Vous savez ce qu'il y a dans votre cœur, tout le monde le sait. Et pendant qu'il était là, le dos tourné, leur dos tourné comme ça, Job dans sa misère. Mais ce petit gars n'a pas essayé de l'accuser. Il ne l'a pas accusé d'être un pécheur secret. Mais il a essayé de lui parler de quelqu'un qui allait venir, qui se tiendrait dans la brèche et qui ouvrirait la voie. J'ai souvent pensé à Job 14, à la façon dont Dieu lui a parlé au sujet des fleurs et de tout le reste. Et Job regardait, il a dit, « Il y a de l'espoir dans un arbre, s'il meurt, il revivra. » Avez-vous déjà remarqué? Ma première Bible était dans la nature, et Dieu habite dans son univers, dans sa nature. Vous prenez, vous les femmes par ici, vos fleurs dans un jardin. Après un certain temps, dans un mois environ, le gel frappera les petites plantes. Oh, certaines d'entre elles seront jeunes, à peine nées, et d'autres vieilles. Mais quand le gel les frappe, elles disparaissent. Il penche sa petite tête, et les pétales tombent, les feuilles tombent, la petite graine sort, et puis... Il y a un cortège funèbre. Les cieux pleurent juste les pluies d'automne. Ce sont juste des larmes qui tombent du ciel et qui enterrent la petite graine. Le froid de l'hiver arrive. Il gèle à une profondeur de 10 cm et alors la petite tige est partie, le bulbe est parti, la feuille est partie, le pétale est parti, la petite graine noire à l'intérieur est gonflée et éclatée et la pulpe s'écoule. Maintenant tout s'en est allé. La bulbe, la graine, tout le reste a disparu. Mais ce n'est pas la fin de la fleur. Aussi sûr que ce chaud soleil commence à briller, bien que la pulpe soit partie et tout le reste, il y a un petit germe de vie posé là qu'aucun homme n'a jamais trouvé et ne trouvera jamais. Cette fleur revivra. Et si Dieu a fait en sorte qu'une fleur puisse revivre, combien plus a-t-il fait en sorte qu'un homme puisse revivre? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Oh, je pense que c'est merveilleux de regarder Dieu dans son univers. Comment il se déplace parmi la nature et ainsi de suite. Il n'y a pas longtemps, en parlant avec un prédicateur méthodiste, nous mangeons de la crème glacée ensemble. Et l'heure agricole est arrivée et ils ont dit, le petit club 4H là a mis au point une machine qui peut produire du maïs si parfait qu'on ne peut pas le distinguer du grain de maïs qui a poussé dans les champs. Il a dit, vous pouvez prendre une poignée de maïs qui a poussé dans le champ et une autre qui est sortie de cette machine, les mélanger, et il est impossible de les distinguer.
Emmenez-les au laboratoire, ouvrez-les, et la peau aura probablement l'air aussi épaisse. Chaque grain contient la même quantité d'humidité, de potasse, de calcium et tout le reste. Le pain de maïs sera tout aussi bon. Les flocons de maïs seront tout aussi bons dans les deux sacs. La seule façon de voir la différence, c'est de les enterrer. Les deux vont pourrir, mais celui que l'homme a fait est fini. Celui que Dieu fait a un germe de vie en lui et il revit. J'ai dit, tenez ma main, prêcheur, je vais vous mettre dans l'embarras. Vous pouvez prendre deux hommes. Les deux se ressemblent, les deux agissent comme des chrétiens, mais l'un d'eux a un germe de vie qui est le Saint-Esprit. Il ressuscitera lors de la résurrection. L'autre restera allongé là, c'est exact. Amen. Regardez, vous voyez comment Dieu modèle tout autour. En Inde et dans d'autres pays, ils pratiquent un culte et disent que lorsque nous mourons, nous devenons des anges et nous nous envolons. Dieu n'a jamais fait de moi un ange et je ne serai jamais un ange. Il a fait de moi un homme et je serai toujours un homme. Je ressusciterai un homme exactement comme ça. Mais nous savons que Dieu agit et nous pouvons voir le modèle parfait dans l'univers quand il commence à élever les choses comme cela. Et Job, regardant cela et en voyant que ces choses ressuscitent, mais il a dit, « L'homme se couche, il rend l'âme, il dépérit. » Oui, où est-il? Ses fils viennent se lamenter et il ne s'en aperçoit pas. Il dit, « Oh, si tu voulais me cacher dans la tombe et me garder dans le lieu secret jusqu'à ce que ta colère soit passée. » Et quand Élie a commencé à le remettre sur le droit chemin, il a commencé à voir qu'il y avait quelqu'un qui venait. Et il lui a dit comme ça, « Maintenant, Job, je le dis pour que les enfants comprennent. Maintenant, Job, tu regardes cette fleur et cet arbre. Cette fleur ou cet arbre n'a jamais péché. Mais l'homme a péché. Voyez, l'arbre vient juste et le grain et les autres choses viennent juste et perpétuellement. Mais l'homme a péché et cela a coupé sa relation avec lui et Dieu. Il n'y a pas de résurrection pour lui maintenant. Mais, oh, j'aime ça. Mais il y a quelqu'un qui vient. Un juste qui se tiendra dans la brèche, mettra la main sur un homme pécheur et un Dieu saint et ouvrira la voie. Et il y aura la résurrection. Job étant un prophète, il s'est placé dans le bon type de canal, le bon sillon. Et il a vu la vision du Seigneur. Et il s'est tenu sur ses pieds, il a prophétisé. Et les éclairs ont commencé à jaillir et les tonnerres à gronder. Il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Mon Rédempteur est vivant et au dernier jour, il se lèvera sur la terre. Même si les vers détruisent ce corps, dans ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai moi-même. Mes yeux le verront et pas un autre. De même qu'un grain de maïs a pourri, qu'il est parti et qu'il est ressuscité, ainsi en sera-t-il pour moi. Maintenant, regardez. Mon Rédempteur est vivant. Continuation, pas seulement vivre, juste mourir. Mon Rédempteur vit, et au dernier jour, il se tiendra sur la terre. À la fin des 2000 dernières années, en d'autres termes, il se tiendra sur la terre. Et même si les vers détruisent ce corps, dans ma chair, je verrai Dieu. Job regardait Dieu dans son univers. Aucun homme ne peut regarder un beau, grand, lisse et dire, il n'y a pas de Dieu, sans être dérangé mentalement. Car Dieu vit dans les fleurs. Vous ne le croyez pas? Dites-moi comment cette petite graine, comment elle va dans la terre. Le même soleil brille, et en voici deux exactement pareils. L'une est blanche, l'autre rouge, et l'autre bleue, et quelque chose comme ça. Comment Dieu fait cela? Et la rose et les différentes fleurs, comment il a fait ces choses? Il est Dieu. Et nous pouvons le voir bouger, comment il se déplace dans son grand univers. Dites-moi comment ce monde peut tourner à 40 000 km à l'heure. Il fait 40 000 km et il tourne toutes les 24 heures. Il fait un cercle complet. Et vous pouvez le calculer en fonction des étoiles et tout. Il ne bouge jamais de sa place. Il reste juste là, parfaitement suspendu dans l'air. À l'observatoire du Mont Palomar, on peut regarder et voir 120 millions d'années-lumière. Comment ces lunes et ces étoiles et ces mondes et ces lunes, ces étoiles et notre Père Céleste les a simplement soufflés de la paume de sa main comme ça. Que cela soit et cela fut. Oh, je vous le dis, quand vous parlez de Dieu et que vous essayez de le réduire à l'idée de quelqu'un, il est tellement comme le chant chrétien que nous chantions quand j'étais pasteur. Jésus est si haut qu'on ne peut pas le dépasser, si profond qu'on ne peut pas passer sous lui, si large que tu ne peux pas le contourner. Allô, ouvre ton cœur et laisse-le entrer. Lorsque vous ne pouvez pas passer au-dessus de lui, ni en dessous, ni autour de lui, et pourtant,
Votre cœur le contient, quelle merveilleuse pensée, comme il est merveilleux. Mais Dieu dans son univers, comment il gouverne les choses, comment il se déplace et ses mouvements et les choses, et tout lui obéit, tout. Il peut dire à l'étoile de faire ceci, elle le fera. Il n'y a qu'un seul qui ne lui obéit pas et c'est l'homme. L'homme en sait plus que lui. Alors il a ses propres idées et il n'écoute pas Dieu. Mais si un homme ouvre simplement les yeux et regarde autour de lui, vous pouvez voir Dieu partout. Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, quand j'étais un petit garçon, la première Bible que j'ai lue, c'était de regarder la nature. Je pouvais voir comment Dieu se déplaçait et comment il faisait les choses, et je savais qu'il y avait un Dieu. Un jour, mon père et moi étions en train de labourer du maïs. Un orage s'est levé. Et je me souviens que papa a dit, nous n'avions pas encore vu l'orage, mais les chevaux ont commencé à s'ébrouer et à avancer. J'ai dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, fils, il y a une tempête qui arrive. J'ai dit, un orage se prépare. Il faisait aussi clair que possible. Il a dit, tu sais, fiston, il y a quelque chose d'étrange. Mais les chevaux ont un instinct qui leur permet de dire exactement s'il y a une tempête qui arrive. Il a dit, Dieu Tout-Puissant a fait un chemin pour eux afin qu'ils puissent se mettre en sécurité. Eh bien, je pensais, c'est merveilleux. Et nous n'avions même pas labouré deux tours de plus jusqu'à ce que les éclairs éclatent et que la tempête se lève. Eh bien, si Dieu a donné à un cheval la connaissance suffisante pour se mettre en sécurité, combien plus devrait-il donner à une église qui est née de nouveau? Ne pensez-vous pas? Comment Dieu a doté ce cheval d'instinct? Ici, il n'y a pas longtemps, je plantais des haricots. Et combien savent ce qu'est une marmotte? Dans le sud, on l'appelle une marmotte, un petit bonhomme. Et aussi vite que je plantais. Alors, ce petit bonhomme les mangeait. Et je ne pouvais aller nulle part. J'allais là, et il y avait ces petits sentiers qui descendaient là où ils les avaient tous creusés. Ils vivaient dans un trou là-bas, je ne voulais pas tirer sur le petit gars. Alors je me suis dit que j'allais m'amuser avec lui. Alors j'ai planté une autre rangée de haricots, et je pensais, je vais m'occuper de toi. Et j'ai pris un sac et une plante, et j'ai dessiné quelque chose de très laid là-dessus. Et j'ai essayé de le rendre laid. Et frère, je suis loin d'être un artiste, je vous le dis. J'essayais d'enseigner un soir sur un tableau, et j'avais dessiné un chien, et personne ne savait ce que c'était. Et j'ai dû écrire par-dessus, c'est un chien, pour qu'il puisse le savoir. Vous pouvez donc imaginer à quoi ressemblait ce dessin. Des grandes oreilles et tout le reste. J'ai dit, j'ai mis des haricots dans un sac et je l'ai attaché à un bâton et le vent soufflait. Je pensais, quand il verra ça, il va courir. Alors je me suis mis à l'abri dans les buissons et je regardais ce petit gars avec des jumelles. Il était là, tout près de moi. Et puis, j'ai vu le petit bonhomme. Il est sorti de son trou, vous savez. Il a regardé tout autour et il n'a vu personne. Et juste là, en bas de la route, il est arrivé à ce sac et il s'est arrêté. Il a regardé le sac. Il a tourné sa petite tête sur le côté, il a levé la tête, il s'est dit, c'est une image très laide. Et il s'est approché un peu plus près, il a regardé, puis il a reculé, et tout d'un coup, le vent s'est mis à souffler, oh mon Dieu. Et il s'est retourné à regarder, il a regardé à nouveau, et il s'est approché à nouveau, et il a regardé, il s'est dit, il y a des haricots derrière ce sac, vous savez. Il s'est approché de ce sac et il a frappé avec sa patte et ça fait un bruit. Il a fait un bond en arrière, il a frappé à nouveau et ça fait du bruit. Il est passé juste derrière et a commencé à manger des haricots comme il pouvait. Eh bien, pensez-vous que nous devrions avoir autant de bon sens qu'une marmotte? Absolument. Laissez-moi vous dire, quand vous voyez un épouvantail, rappelez-vous que c'est une cloche. Juste derrière, il y a quelque chose de bon. Quand les gens disent, ce sont des saints comédiens, ils sont ceci ou cela, ne faites pas attention. Nous avons une bande de fanatiques, mais mon frère, juste derrière, il y a un vrai noyau de Dieu. Juste là, le vrai pouvoir du Saint-Esprit, la résurrection de Jésus-Christ. Oui. Alors le diable met beaucoup d'épouvantail, mais n'y prêtez pas attention. Je faisais une remarque une fois, j'ai vu un groupe de corbeaux ou de merles, et ils ne faisaient que crier. Et je pensais, qu'est-ce qui se passe? Un homme vivait là-bas et il aimait vraiment les oiseaux. Il avait une parcelle de fraises sauvages et il le gardait là pour les oiseaux. Il est allé en Floride une année et il n'est pas revenu à temps. Et un type a voulu cueillir les baies. Et alors, il a mis un grand épouvantail dans le champ comme ça. Eh bien, tous ces oiseaux qui avaient pris l'habitude de venir là chaque année, ils sont venus et ils ont trouvé ce champ. Et il y avait ce gros épouvantail. Et certains oiseaux se sont installés tout en haut des arbres, d'autres sur les fils télégraphiques. Et ils ne faisaient que crier et piailler. Eh bien, je pensais, n'est-ce pas incroyable? Mais à mon grand étonnement, au milieu du champ, sur les bras de l'épouvantail, il y avait deux grands corbeaux qui se remplissaient le ventre. Je pensais, eh bien, n'est-ce pas quelque chose?
C'est exactement. Je pourrais faire un sermon là-dessus. J'ai dit, c'est vrai. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'homme bon, a préparé toutes les bonnes choses pour son Église. Vous croyez cela? Et certains d'entre eux se tiennent à l'écart. Je vous le dis maintenant, je ne crois pas en une telle chose. Regardez ce qu'ils ont. Hein? D'autres descendent sur les fils télégraphiques. Eh bien, je pourrais y croire, mais mon Église ne me laisserait pas faire. Et celui qui se trouve sur le côté ici, sur le poteau, il dit, eh bien, je vous le dis, je crois que les jours des miracles sont passés. Mais il y avait quelque chose, je crois. Mes frères, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans le champ, je vous le dis. Ils étaient installés sur ce bras-là de l'épouvantail en mangeant si fort qu'ils le pouvaient. Ils savaient que ce n'était rien d'autre qu'un épouvantail. C'est comme ça que je vois la religion du Saint-Esprit à l'ancienne. Mon frère, je me fiche de savoir combien de fanatiques il y a à droite ou à gauche. Je reste sur la route du calvaire. Je mange la puissance de Dieu comme il m'envoie. Je me réjouis en passant un temps formidable. Amen. Maintenant, je commence à me sentir religieux. Maintenant, oh, comme c'est merveilleux! Dieu travaillant dans son univers. J'aime chasser. Je vais parfois dans les bois du Nord, pas tellement pour chasser, mais pour me reposer. Et je remarque que là-haut, sur les lacs, les marais du Canada, Frère Bosé, vous savez de quoi je parle, il y a toujours un groupe de canards là-haut, et ils s'envolent pendant l'hiver. Ils montent là-haut en été, au début du printemps, et dans tous ces marais et ces lacs, ils font leur nid, ils pondent leurs œufs et font éclore leurs petits. C'est étonnant de voir comment Dieu prend soin de ces animaux. Vous ne le croyez pas? Et Dieu donne aux animaux la façon de faire les choses. Maintenant, si vous le regardez, il est dans sa nature, dans son univers. Maintenant, regardez. Ces petits canards, vous montez là-haut, et je pars parfois tôt. La neige n'a pas encore atteint le sommet des collines. Mais dès le premier matin où vous vous réveillez et qu'il y a de la neige au sommet de la montagne là-bas, ce vent froid de la fin septembre, du début octobre descend dans les vallées. Vous entendrez quelque chose, un petit canard là, il n'est jamais parti, il n'a jamais quitté ce lac de sa vie, il est né juste là au printemps, ce petit bonhomme. Il va courir au milieu de cet étang comme ça ou de ce lac et il va faire entendre son petit klaxon, coin, 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 coin. Tous les canards du lac viendront droit vers lui. C'est bien ça? Pourquoi? Ils savent que ce canard est un leader. Il n'a jamais quitté le lac. Mais ils savent que c'est un leader. Oh là là! Il va se mettre à klaxonner. Coin, coin. Les canards vont venir. Et voilà un tas. Et ils disent, coin, coin. Ils viennent par ici, par là. Et c'est étonnant de les regarder. Ils sont là au milieu du lac. Et puis ce vent froid arrive. Ils discutent du sujet, je suppose, à propos du vent froid qui descend. Et ils quittent ce lac. Et ils s'en vont aussi droit que possible vers la Louisiane. Et ils n'avaient jamais quitté ce lac. Pourquoi? Il a un instinct donné par Dieu. Dieu. Tous les autres canards savent que c'est leur chef. Et ils ont une confiance absolue. S'il va dans cette direction, ils vont dans cette direction. S'il va dans cette direction, ils vont par là. Où qu'il aille. Mais d'une manière ou l'autre, il atterrit en Louisiane, dans les rizières, échappant à l'hiver. Eh bien, si un canard a assez de bon sens pour échapper à la vague de froid, qu'en est-il d'une église qui est née de nouveau? La seule chose que nous ne connaissons pas, c'est notre leader. Alléluia. Frère, Dieu a donné le Saint-Esprit à l'Église, pas à l'organisation. Il a donné le Saint-Esprit pour diriger l'Église, et nous avons adopté des organisations pour cela. Alléluia. Le Saint-Esprit veut venir et bénir les gens et les conduire dans les rivières profondes et les verts pâturages et tout, mais l'organisation ne les laisse pas faire. Elle les retient. Oh Dieu, brise les entraves et fais sortir ton Église, c'est ma prière. Oui, monsieur. Dieu travaille. Regardez-le dans sa nature. Cela coïncide avec l'Église, avec le naturel et avec le spirituel. C'est parfait partout. Ce petit canard est sorti de là, mon frère, et il a filé tout droit vers la Louisiane. Observez la nature comme vous voulez. Vous voyez Dieu agir. Prenez par exemple un porc. Vous lisez dans le journal, « Demain, il va faire beau. » Et regardez cette truie prendre le fumier du côté nord de la colline et le ramener du côté sud et faire son lit. Vous voyez? Et ce journal ne sait rien. Il va faire froid. Elle en sait plus sur le temps que tous les météorologues du pays. Pourquoi? Elle a un instinct divin pour s'y préparer.
Mais le truc, c'est qu'elle croit son instinct. Mais nous ne croyons pas notre direction. Dieu leur a donné l'instinct, il nous a donné le Saint-Esprit. Et si ce petit canard disait, « Bon, attendez, je vais voir ce que Joe en dit ici », il ne serait jamais arrivé en Louisiane. Certainement pas. Il doit suivre le chemin qu'on lui trace. Et l'homme ne peut pas le guider. C'est le Saint-Esprit qui guide l'homme. Le Saint-Esprit, c'est une fraternité. Et si le vrai Saint-Esprit vous guide, vous saurez que c'est une fraternité. Amen. Oh là là. J'aimerais avoir trois fois ma taille quand j'en arrive à me sentir comme ça. Peut-être que je pourrais me sentir trois fois mieux que maintenant. Vous savez, ces petits après-midi me permettent de me défouler. Vous savez, les visions sont ce qui me tue le plus. Ça me rend si faible. Mais quand je sors d'ici, je peux rester ici, oh, pendant une semaine comme ça. C'est bien. C'est ce que je reçois et c'est ce que je donne. Et je vais jusqu'au bec, je garde la bouche ouverte et je laisse couler en passant du bon temps. Maintenant, Dieu travaille. Dieu agit dans son univers. Vous le croyez? Il y a quelque temps, je chassais l'élan dans les montagnes. C'était au début de l'automne et la neige n'avait pas encore atteint le sommet des montagnes. Et quand la neige arrive, alors les wapitis descendent, mais il faut aller haut, très haut, près des bois pour atteindre les wapitis. Et j'étais là-haut un jour, j'étais à environ, je suppose une cinquantaine de kilomètres de Two Ranch ou autre chose, tout en haut des montagnes rocheuses. Et je suppose que j'étais à 300 kilomètres d'une ville. Je me promenais avec mon fusil, vous savez, et il y avait de la neige, et il va pleuvoir, et puis il va faire chaud, le soleil va partir, et le temps va changer. Et j'étais là depuis deux jours. Et je savais que le troupeau d'élan était là, alors je me promenais juste là, dormant dehors la nuit. Et un jour, il a plu. Et je me suis mis derrière l'arbre comme ça. Et la pluie a soufflé, et après que la pluie se soit calmée, il faisait froid là-haut sur la montagne. J'ai regardé, et les conifères avaient gelé. C'est gros glaçons qui pendaient partout sur le conifère, c'était gelé là où le vent est froid et où l'eau tombe. Cela a gelé la glace dans le conifère. Et je regardais, et le soleil s'est couché à l'ouest, en regardant à travers cette crevasse des montagnes comme ça, et je pensais, « Oh, grand Jéhovah, son œil est sur le moineau, comme il se tient dans les cieux, et que ses yeux regardent dehors, il voit chaque mouvement. » Pas un moineau ne pourrait toucher le sol. Vous voyez, Dieu dans son coucher de soleil. Ne pensez-vous pas le voir de cette façon? Pensez à lui dans un coucher ou un lever de soleil. Puis j'ai regardé là où le soleil brillait contre l'eau et tout ça. Il y avait un arc-en-ciel à travers le canyon. Et j'ai regardé cet arc-en-ciel et j'ai dit, « Oh, gloire à Dieu! » Et j'aime juste regarder Dieu dans sa nature, pas vous. Et j'ai dit, « Regardez là! » Tu as donné à Noé le signe de l'arc-en-ciel. Avant cette époque, l'eau n'était jamais venue de cette façon pour que les eaux, les éléments, ne puissent pas faire ces couleurs. Et maintenant, tu lui as donné le signe de l'arc-en-ciel que tu ne détruirais plus jamais le monde par l'eau. Et je pensais à nouveau que lorsque Jean, sur l'île de Patmos, s'est retourné et a vu Jésus comme un arc-en-ciel, une pierre de sardoine et de jaspe, qui étaient Ruben et Benjamin, le premier et le dernier, celui qui est et qui doit venir, la racine et la progéniture de David, l'étoile du matin, et au-dessus de lui se trouvait un arc-en-ciel avec ses sept chandeliers d'or, ce qui signifie qu'il avait une alliance pour les sept derniers âges de l'Église. Puis la profondeur commence à appeler la profondeur. Oh, au fond de mon cœur, j'ai dit, « Dieu, je suis là, tout en haut, censé être à la chasse. » Et j'étais vraiment heureux. Et j'ai posé mon fusil et je courais autour de l'arbre en criant aussi fort que je pouvais. Si quelqu'un était là, on m'aurait mis dans une institution pour aliéner. Oh, je passais un temps glorieux. J'ai repris mon fusil pour continuer. Et je pensais, oh, grand Jéhovah, qui a fait toutes ces choses. Et à peu près à ce moment-là, j'ai entendu le troupeau d'élans qui avait été dispersé dans la tempête se mettre à brailler de l'un à l'autre. Puis tout en haut de la colline, un loup gris s'est mis à hurler, son compagnon répondant en bas, « Ma mère est à moitié indienne, et il y en a juste assez pour que la profondeur appelle la profondeur. »
J'ai commencé à crier de toute ma voix. J'ai posé mon arme et j'ai recommencé à tourner autour de l'arbre. Je ne me souciais pas de savoir qui écoutait. Je criais et louais Dieu. Alléluia, ils peuvent me traiter de fou s'ils le veulent. Ça ne fait aucune différence pour moi. J'ai mes yeux sur le calvaire. Amen. Je l'aime, je le vénère, je l'ai vu dehors. J'ai dit, mon Dieu, tu es là dans le coucher du soleil, dans l'arc-en-ciel. Tu es là dans le loup, te voilà dans l'élan. Et j'ai dit, gloire à Dieu, tu es dans mon cœur. Je suis retourné autour de l'arbre, autour et autour et autour de l'arbre. Oh, je passais un moment formidable et je donnais des coups de pied dans les broussailles et tout le reste. Je me suis arrêté et j'ai dit, « Oh Seigneur, je t'aime, je t'aime. Pourquoi devrais-je quitter un endroit comme celui-ci, si merveilleux ?» J'ai entendu quelque chose, comme un mouvement en faisant « tcha 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 ». Un petit écureuil des pins, on les appelle des petits valets de montagne, vous savez, à peu près comme ça. Un petit écureuil roux, la chose la plus bruyante qui soit. Ça me fait penser à beaucoup de ces types qui font beaucoup de bruit, mais rien à faire. Ils me regardent en disant « tcha 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 », comme s'il allait me mettre en pièces. Oh là là, tu fais juste beaucoup de bruit, et c'est tout ce qu'il y a. J'ai cru qu'il m'aboyait dessus. Mais j'ai découvert, pendant la tempête, qu'un grand aigle avait été forcé de descendre et qu'il se trouvait en bas. Et je l'ai vu sortir et je pensais, « Eh bien ici, Seigneur, pourquoi as-tu placé ça devant moi, juste au moment où je crie et où je passe un si bon temps ?» Et je pensais, « Qu'est-ce que cet aigle est fait ici ?» Si vous regardez n'importe où, vous pouvez voir Dieu. Vous pouvez le voir n'importe où. Et je pensais, qu'y a-t-il de divin dans cet aigle? Parce que c'est un charognard, et oh, c'est un mauvais gars. Et je pensais, eh bien, qu'est-ce qu'il y a de divin chez cette chose? Et quand il est sorti, il a sauté sur la branche comme ça. Il a regardé le petit écureuil qui était là, comme s'il allait le mettre en pièces. Il s'est retourné vers moi, et je pensais, eh bien, c'est une position. Maintenant, Seigneur, où es-tu dans cette scène? Partout où vous regardez, vous pouvez voir Dieu. Et je pensais, il y a un petit écureuil de pin là qui chasse tout le gibier des bois et il n'est pas bon. Et ici, il y a un grand aigle qui, si vous tuez un cerf et le laissez là, l'aigle le mangerait en une nuit s'il le pouvait. Il est juste aussi méchant que possible. Et je pensais, où pourrais-tu être dans cette scène? Et j'ai dit, tu es partout pourtant. Où pourrais-je voir? Pourquoi Dieu a-t-il mis cette scène devant moi? Et je regardais à nouveau. Et il se trouve que j'ai remarqué que cet aigle avait du courage. Il n'avait pas peur. Peu importe ce que je ferais ou quoi que ce soit, il était courageux et je pensais, c'est ça Dieu, tu ne veux pas des lâches. Dieu veut des hommes et des femmes qui ont une colonne vertébrale au lieu d'un mollusque. Quand Dieu dit quelque chose, on le croit. C'est tout, c'est réglé. Si Dieu l'a dit, c'est que c'est vrai. N'est-ce pas vrai? C'est donc vrai. Très bien. Et j'ai dit, te voilà Seigneur, tu veux quelqu'un qui sache vraiment de quoi il parle et qui soit prêt à défendre la vérité. Beaucoup de gens disent, j'accepte ma guérison, je crois que Jésus guérit, d'accord. Et à la première petite crampe qui vous frappe, vous êtes prêt à abandonner. Oh mon Dieu. Et vous dites, je crois au baptême du Saint-Esprit, vous criez, vous dansez dans l'église, et quand vous rencontrez un critique dans la rue, vous êtes aussi silencieux qu'une souris d'église, c'est vrai. Oh mon frère, ne vous taisez pas, criez! Si on vous prend la tête, soyez comme Jean-Baptiste, c'est ça. Tenez-vous pour la vérité. Et j'ai regardé cet aigle, je pensais, qu'est-ce qui te rend si courageux? Et j'ai dit, sais-tu que je pourrais te tirer dessus si je le voulais? Et lui, avec ses grands yeux gris, m'a regardé. Il n'avait pas peur de moi. Et je pensais, je suis sûr que tu n'as pas peur de cet écureuil. Et puis je pensais, j'ai attrapé mon fusil et j'ai dit, je pourrais te tirer dessus. Je l'ai remarqué, il a sauté, il m'a regardé à nouveau. Je pensais, eh bien, qu'est-ce qui te rend si courageux? Comment peut-il être si courageux? Je ne comprends pas. Et j'ai remarqué, voici ce qui le rendait courageux. Je l'ai vu bouger ses ailes comme ça, tâter ses ailes pour voir si elles étaient en bon état. J'ai dit, merci Seigneur. Amen. Quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps, frère Branham, n'avez-vous pas peur sur cette plateforme de faire une erreur et de dire à quelqu'un une mauvaise chose? Oh non, pas tant que je peux le sentir avec moi. C'est exact. Tant qu'il est là, tout va bien. C'est très bien. Tant qu'il est là, le bateau est sous contrôle. Et je le regardais bouger ses ailes. Et je pensais, eh bien, dites-moi. Il regardait tout le temps en l'air pour voir à quelle distance se trouvait la limite des arbres. Il savait que si jamais il entrait dans cette forêt, je ne le verrais jamais dans le viseur du fusil. Donc il était juste là à me regarder. Et il me regardait. Et puis il regardait l'écureuil. Il me regardait comme ça. Et j'ai dit, eh bien, si ce n'est pas incroyable,
Et au bout d'un moment, il s'est fatigué de ce bruit de l'écureuil. Alors, il a fait un grand saut comme ça. Il a déployé ses ailes deux fois et il a traversé la forêt d'un bout à l'autre. Il n'a plus jamais battu des ailes une autre fois. Il a juste étendu ses ailes et il savait comment surfer sur les vagues d'air qui descendaient. Il est juste monté. Il n'a pas battu des ailes en essayant de s'élever. Il a simplement étendu les ailes et il s'est envolé jusqu'à ce que je ne puisse même plus le voir. Il s'est volatilisé, laissant derrière lui ce bavardage terrestre. Je pensais, Alléluia! J'ai lâché mon fusil et j'ai tourné encore autour de l'arbre. Je pensais, c'est ça, Seigneur, c'est ça! Fais-moi savoir comment mettre mes ailes dans la puissance de Dieu. Et chaque fois que le Saint-Esprit arrive, fais-moi monter avec lui. Alléluia. Jusqu'à ce que je me mette hors du chemin de ces bavards. Les jours des miracles sont passés. C'est une bande de saints comédiens. Ça n'existe pas. Le Saint-Esprit est parti il y a longtemps. Oh mon Dieu, on s'en va avec ça. Gloire. Chacun de vous les aigles, vous avez deux grandes ailes pour s'envoler si vous voulez. Amen. Vous avez juste peur d'utiliser vos ailes. Cela leur donne de l'exercice quand vous devez les utiliser de temps en temps pour vous élever. Un jour, j'observais un nid d'oiseaux. J'étais installé sur une montagne et je regardais. Et j'ai vu une maman aigle pousser un cri. Elle est sortie du nid avec toute une bande de petits aigles. Ils ont enfoncé leur petit bec dans les ailes de la mère comme ça et elle est descendue du nid. Et quand ils ont sauté des ailes, c'était la première fois que les petits étaient sur l'herbe. Oh, c'était si beau. Et ils s'amusaient. La maman est remontée directement et s'est installée au sommet du plus gros rocher qu'il y avait. J'étais là avec mes lunettes. Je gardais le bétail comme je le faisais dans le Colorado. Et je le regardais, vous savez, avec mes jumelles, voir que cette maman aigle, ce qu'elle faisait. Et elle regardait pour voir si un coyote allait venir. Je pensais, comme c'est typique ici, Dieu dans sa nature, ces petits aigles n'étaient jamais sortis de ce nid, vous savez. Où ils vomissaient dans leur nid et tout le reste, ils apportaient de la viande qui pourrissait dans le nid et tout, et sur les ronces, et leurs pauvres petites pattes marchant là-dessus. Et puis, la maman aigle vient les chercher, parce que ce sont ses enfants. Elle les emmène dans les pâturages, où l'herbe est douce pour leurs pattes. Je pensais, c'est ainsi que Dieu agit lorsque nous sommes ici, dans des maisons closes et dans les rues, vivant dans le péché, le vomissement du diable et l'odeur du whisky et du tabac. Et puis notre Seigneur Jésus, un jour, a étendu les ailes du calvaire et nous a emmenés dans les pâturages verts et ombragés. Gloire! Puis quand il a fait ça, il a fait comme la maman aigle. Il s'est envolé là-haut sur les remparts de la gloire et s'est installé là pour veiller sur son église. Amen. Qu'un coyote monte s'il le veut, cette maman aigle serait sur son dos en un instant. Et je vous le dis, notre Seigneur Jésus-Christ, dans la puissance de sa majesté et de sa gloire, veille sur son église pour confirmer sa parole. Partout où il peut trouver un croyant qui agira selon sa parole et la croira. Ces petits aigles ne se souciaient de rien. On les voyait simplement lever leur petite tête et regarder là-haut. Ils ont vu leur maman. C'est tout ce qui était nécessaire. Alléluia! Bien sûr, Dieu est dans sa nature, vous le croyez? Il est dans son univers. Aussi longtemps que je peux sentir la puissance du Saint-Esprit descendre, je sais que Dieu est toujours installé sur les remparts de la gloire, qu'il surveille sa parole pour l'exécuter et la confirmer. Il était là. Il se trouve que j'ai remarqué qu'un bout d'un moment, qu'il y a un vent du nord, un vent qui vient par là. Elle pouvait sentir ce vent. Elle savait qu'il y avait de la pluie dans l'air. Elle a poussé un grand cri et est descendue au milieu de ce pâturage. Elle a déployé ses ailes comme ça. Tous les petits aigles sont venus de partout, ont fait de leur mieux, ont sauté, se sont accrochés aux plumes avec leurs pattes et avec leur bec. Elle a levé ses grandes ailes. Oh, à travers ce vent qui balayait le canyon à 100 km à l'heure à ce moment-là, elle est allée tout droit dans la fente du rocher en sécurité. Un de ces jours glorieux, alors que ces petits aigles, insouciants dans la puissance de Dieu, alléluia, se nourrissant merveilleusement des bonnes choses de Dieu. Et un de ces jours, Jésus fera entendre un cri du ciel descendant. Quand le danger et les bombes atomiques seront sur le point de tomber autour de Chicago, il déploiera ses grandes ailes aimantes comme ça, et nous nous en irons à travers les tempêtes, alléluia, dans la maison de mon Père, où il y a beaucoup de demeures préparées,
prête pour les racheter. Alléluia. Mon frère, j'ai l'impression d'être un holy roller, un saint comédien en ce moment. Oui, monsieur. Je me sens vraiment bien. Comment Dieu agit dans son univers. Comme il agit dans sa nature. Il n'y a pas longtemps, je tenais une réunion. Enfin, juste avant de me lancer dans ces campagnes de guérison. J'étais un prédicateur baptiste, vous le savez tous. Très bien, j'étais dans l'église baptiste de Milltown. Frère Ryan, nous y sommes allés plusieurs fois ensemble. Je restais là-haut chez le frère Wright. Et chaque soir, il y avait un rossignol qui se posait là. Ce gaillard chantait toute la nuit. Vous savez ce que c'est un rossignol? Et oh, il chante sans arrêter. Notre champ, là où nous vivons maintenant, en est rempli. Je lève la fenêtre vers 2h du matin et je les écoute chanter. Et je pensais, qu'est-ce qu'il... Et j'ai remarqué, par une nuit nuageuse, il s'arrêtait de chanter pendant un petit moment, puis il recommençait à chanter. Alors j'ai étudié la nature de ces oiseaux et j'ai découvert ce qu'ils font. Ils se posent dans les buissons, ils regardent autour d'eux et dès qu'ils voient une étoile, ils commencent à chanter aussi fort qu'ils le peuvent. Car ils savent que le soleil brille quelque part. Le soleil brille sur cette étoile aussi sûr que cette étoile brille. Le soleil brille quelque part. Donc il va faire jour à nouveau. Et je pense, oh Dieu, laisse-moi parfois, quand les oreilles de l'obscurité se retournent, parfois quand le réveil semble qu'ils veulent tous être formels et impies, mais de temps en temps, j'entends un bon amen à l'ancienne mode. Gloire à Dieu. Et je dis, gloire à Dieu, le soleil brille quelque part, il rayonne quelque part. Si je pouvais sortir ce soir et regarder là-bas la grande étoile du matin, l'étoile du soir, je dirais, qu'est-ce qui te fait briller, étoile? Elle dirait, frère Branham, ce n'est pas moi qui brille. Je dirais, alors qu'est-ce qui te rend si jolie? Ce n'est pas moi. Alors pourquoi brilles-tu? Ce n'est pas moi qui brille. Alors qu'est-ce qui brille? C'est le soleil qui brille sur moi. C'est ce qui me fait briller. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à un médecin. Il disait, révérend Branham, ces gens du Saint-Esprit dont vous parlez, ce n'est que de l'excitation, c'est seulement de l'excitation. Frère, vous savez ce que je crois? Je crois que ce n'est pas eux qui brillent, c'est la puissance de Dieu qui brille sur eux, qui les fait briller. Alléluia! Quand Dieu fait briller sa puissance et la guérison divine et les bénédictions et les gloires, vous ne pouvez pas vous taire. Jésus a dit, s'ils se taisent, les rochers vont immédiatement crier. Oh, alléluia! C'est bien ça! Alléluia! Je me suis allongé près d'une source où j'avais l'habitude de boire. Je me suis allongé là et je ne faisais que boire et boire. J'ai remarqué que c'était la source la plus heureuse que j'ai jamais vue. C'était toujours des bulles, des bulles. C'est comme un bon chrétien, toujours en train de bouillonner. Que les choses aillent bien ou mal, toujours en train de bouillonner. Toujours en train de bouillonner. Dieu travaille dans sa nature et sur la terre aussi. Vous le croyez? Si je m'asseyais et que je parlais à cette source, je dirais, « Qu'est-ce qui te fait bouillonner? Qu'est-ce qui te rend si heureuse? » Elle dirait, « Frère Branham, ce n'est pas moi qui bouillonne. » Je dirais, « Eh bien, peut-être que tu bouillonnes juste parce que je bois. » « Non. » « Tu pétilles parce que des cerfs ou des ours viennent boire. » « Non. » Je dis, « Qu'est-ce qui te fait bouillonner? Frère Branham, ce n'est pas moi qui bouillonne. C'est quelque chose derrière moi qui me pousse, qui me fait bouillonner. Et c'est la façon dont chaque homme qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Il y a quelque chose derrière vous qui vous pousse et vous fait bouillonner. Alléluia. Oh, gloire! C'est bien ça! Ça vous fait bouillonner, 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 bouillonner! La joie éternelle qui jaillit! Il a dit à la femme au puits, « En moi, il y a des eaux vives! Alléluia! Je te donnerai des eaux vives qui bouillonnent dans la vie éternelle! » Oh, frère, un geyser, quand ça éclate, ça jaillit! Alléluia. Enlevez juste le bouchon et laissez couler. Amen. Dieu est dans son univers. Vous le croyez? Bien sûr. Dieu est dans son univers. Nous avions un petit garçon qui vivait pas loin de chez nous. Et puis il allait à une école du dimanche, très formelle, au bord de la rivière Ohio. Et vous savez quelle joie c'est d'habiter près de l'eau. Et ce petit garçon s'est enthousiasmé un jour et il a dit, « Maman, si Dieu est une si grande personne, est-ce que quelqu'un peut le voir? Fiston, je ne sais pas, demande à ton professeur d'école du dimanche. » Alors il est allé demander à son moniteur de l'école du dimanche, « Est-ce qu'on peut voir Dieu? » Il a dit, « Je ne sais pas. » Demande au pasteur. Il est allé voir le pasteur. Il a dit, « Pasteur, est-il possible de voir Dieu? » Il a dit, « Non, mon fils. » Personne ne peut voir Dieu. Bien sûr que non.
Nous croyons juste qu'il existe et personne ne peut le voir. Le pauvre petit gars a dit, « Eh bien, s'il est si réel comme la Bible le dit, pourquoi personne ne peut le voir ?» Il a dit, « Eh bien, tu ne peux tout simplement pas le voir, mon fils. On ne peut pas le voir. » Alors, il est alors pêché avec un vieux pêcheur sur la rivière qui avait une barbe blanche et de longs cheveux. Un vieux type là sur la rivière. Un jour, il était sur l'île Six Mile et il y avait une tempête et en redescendant, le vieux pêcheur, qui était un chrétien bien connu, il descendait en tirant les rames du bateau, comme ça, vous savez, et les rames qui cliquaient sur l'eau, et comme la musique de tout batelier, et il tirait comme ça. Et après la pluie, toutes les feuilles lavées, tout était si propre et sentait bon. Et il a regardé le soleil, et il y avait un arc-en-ciel. Le vieil homme regardait l'arc-en-ciel. Il avait rentré les rames, il les avait attachées. Il regardait cet arc-en-ciel. Le petit garçon installé à l'arrière du bateau commence à remarquer que des larmes coulent sur sa barbe blanche. Il regardait cet arc-en-ciel. Le petit garçon continue à regarder le vieil homme. Il a couru jusqu'à lui et s'est jeté sur ses genoux et lui a dit, « Monsieur, je vais vous poser une question à laquelle mon professeur n'a pas pu me répondre, ma mère ni mon pasteur. Est-ce que quelqu'un peut voir Dieu ?» Eh bien, le cœur du vieil homme était si plein, vous savez, qu'il a ramené les rames sur ses genoux. Il a jeté ses mains en l'air comme ça, et il a poussé un grand cri. Il a mis ses bras autour du petit garçon, il a atterri sur ses genoux. Il a dit, « Que Dieu bénisse ton cœur, fiston. Ne le vois-tu pas là-haut? Tout ce que je vois depuis 35 ans, c'est Dieu. » Il avait tellement Dieu à l'intérieur que Dieu pouvait se voir, il se reflétait. C'est vrai, quand vous aurez Dieu à l'intérieur, le jour où vous serez sauvés, remplis du Saint-Esprit, les oiseaux chanteront différemment. L'univers entier aura l'air différent. Tous les arbres vont taper des mains et tout. Oh là là, et ce vieil ennemi que vous n'aimiez pas, il sera la plus belle personne. Vous vous approcherez de lui. Comment ça va? Et ce voisin à qui vous ne parliez pas, ces outils de pneus que vous aviez volés et tout le reste, vous reprendrez tout et vous direz, « Tu sais, je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Tu veux bien me pardonner? » C'est ce que ça vous fait. Vous verrez Dieu dans son univers aussi sûrement que n'importe quoi si vous vous mettez à le chercher. Croyez-vous que c'est vrai? Il y a quelque temps, il y avait un incrédule dans le pays. Oh, je crois qu'il y a 50 ans. Et il convertissait les gens du christianisme au paganisme. Et quand sa mère était en train de mourir, la seule chose qu'il a pu dire, c'est « Maman, prends ça sur toi et supporte-le. » Oh, quelle consolation à donner à une mère à l'heure de sa mort. Alors il est allé en Angleterre et il a eu beaucoup de convertis là-bas. Aucun prédicateur ne voulait l'attaquer. Non, parce qu'il était intelligent et rusé. Il les contredisait, la plupart des prédicateurs. Il se tenait juste. Et un de mes amis qui se tenait et qui a même fait trembler toute sa fondation, quand il se tenait là, avec une bouteille d'acide sulfurique, là, à Memphis, Tennessee, et il avait cette bouteille d'acide, il a dit, « Tous ceux d'entre vous qui sont supposés être chrétiens, Marc 16 dit, ils boiront des breuvages mortels et cela ne leur fera pas de mal. » C'est ce que dit Marc 16. Si c'est la parole inspirée de Dieu, buvez cet acide sulfurique. Et certains ont dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et il a dit, oh, je ne le tenterai pas pour lui demander n'importe quoi non plus. Peut-être qu'on ne peut pas le déranger. Et il se moquait ainsi. Et une chose s'est produite, je vais devoir raconter ça aussi, pendant que j'y suis, si je peux. Il y avait un garçon de la campagne assis derrière, les cheveux pendant dans le cou, les dents proéminentes, il s'est approché de la plateforme, il a fouillé dans sa poche, il en a sorti une grosse pomme, et il a commencé à l'appeler avec un couteau. L'infidèle a dit, « Eh bien, sap, qu'est-ce que tu veux ?»« Qu'est-ce que tu veux ?» Il a dit, « Je veux juste te demander quelque chose. » Il a continué à éplucher sa pomme. Et l'autre a dit, « Dis-moi ce que tu veux ou je te fais jeter dehors. » Il a dit, « Juste une minute, donne-moi ton temps. » Alors il a épluché la pomme, il l'a évidée, il l'a préparée. Il l'a mis dans sa bouche, il a commencé à la mâcher comme ça. Il a dit, « Je veux te poser une question. Cette pomme est-elle aigre ou douce ?» Il a dit, « Comment savoir si je ne suis pas en train de la manger ?» Il a dit, « C'est ce que je pensais. » Il a fait demi-tour et est retourné à sa place. Comment savoir que Dieu n'est pas réel tant qu'on ne l'a pas goûté, senti? Alléluia. Comment savez-vous que la guérison divine n'est pas bonne si vous ne l'avez jamais testée? Comment savez-vous que le Saint-Esprit n'est pas bon si vous vous promenez avec votre veste ecclésiastique en essayant d'expliquer toute la partie divine avec un tas de théologie? Comment pouvez-vous vous savoir ce qu'est Dieu si vous n'avez jamais goûté pour voir s'il est juste ou non? Soyez sincères, soyez humbles devant lui, c'est vrai. Et le docteur Davis qui se tenait là, un vieil évêque méthodiste, se tenait là avec ce jeune prédicateur,
Un jeune, Roy Davis, se tenait là avec cet évêque, et cet infidèle disait, « N'importe qui parmi vous. » Et certains d'entre les ministres disaient, « Marc 16, à partir du 9e verset, ce n'est pas inspiré. » Il n'est pas inspiré. Donc, vous ne pouvez pas vous y fier. Il a dit, « Alors, je dirai, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Matthieu 11, 27. Et je dirai, « Alors, ce n'est pas inspiré. » Donc, il l'avait là sur un point. Et le Saint-Esprit a commencé à agir sur lui en disant, « Mets-toi là. » Alors, il a dit, le vieil évêque, « Si cet infidèle fait ce défi encore une fois, et si je dois mourir, j'irai au ciel en croyant la parole de Dieu. » Alors, il a dit, « Maintenant, écoute, fils, pose-toi et laisse-le. Il est en train de faire exploser sa cervelle. Laisse-le tranquille. » C'était le Saint-Esprit à l'action. Et alors, quand il a fait ce défi à nouveau, il a laissé échapper un grand « Ah ah !» et a brandi sa montre. « S'il y a un Dieu, je vais mourir dans une minute. » Il a attendu une minute et a dit « Je ne vous ai pas dit que ça n'existait pas ?» Et comme ça, il s'est mis à rire. Alors, Roy, quand il a lancé ce défi, pourquoi certains d'entre vous là-bas ne croient-ils pas que Dieu est si réel? Il a dit « Essayez ce test à l'acide sulfurique. » Maintenant, je ne dis pas aux gens de faire ça. Ne le faites pas, à moins que le Saint-Esprit soit avec vous, voyez. Maintenant, je ne crois pas qu'il faille prendre le serpent. Je crois que si je baptisais dans l'eau et qu'un serpent m'attrapait, je le jetterais sur la rivière, là, et je continuerais à baptiser comme Paul ou quelque chose comme ça. Ou si quelqu'un me glissait du poison, je ferais confiance à Dieu pour ma guérison, c'est vrai. Mais je ne crois pas qu'il faille apporter des choses, dire, viens ici et je vais te montrer ce que je peux faire. Je pense que ça, c'est mal, c'est vrai. Mais le frère Davis est monté sur la plateforme. Nous avons une déclaration du notaire à ce sujet. Il est monté sur l'estrade, il a dit, chrétien, environ 2 ou 3 000 personnes présentes. Il a dit, j'ai 25 ans, il a dit, je suis un ministre de l'Évangile. Et il a dit, je sais que mon Dieu est capable de me délivrer de cela. Mais il a dit, néanmoins, qu'il le fasse ou non, je ne laisserai jamais cet infidèle se tenir là avec cela dans sa main et défier la parole de Dieu. Il a dit, je vous rencontrerai dans la gloire. Et il l'a pris de sa main et il a bu jusqu'à la dernière goutte. Il s'est tenu là et a prêché l'Évangile. Et environ 1500 personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit au cours de la réunion. Alléluia! Oui! Et ce même infidèle, après être revenu, il voulait se reposer. Il est allé dans l'ouest du Colorado. Et il avait un camp là-bas et un jour, en marchant, il se sentait mal, sa santé défaillait. Et il a levé les yeux. Et le vent soufflait sur ces grands rochers dans les montagnes. Et il a dit, je me demande si j'ai eu tort. Oh, où que tu sois, qui que tu sois, regarde ces rochers là-bas. Ai-je eu tort? Est-ce que l'eau les a emportés comme ça ou est-ce que Dieu les a placés là comme ça? Qu'est-ce que c'était? Dieu qui parle dans son univers. S'ils se taisent, les prédicateurs, les rochers vont se mettre à crier. Et là, cet infidèle est tombé à genoux et a donné son cœur à Dieu, parce que les rochers étaient un cri. C'est Dieu qui lui parlait à travers la mère nature. Alléluia. Dieu est dans son univers, le croyez-vous? Oh mon Dieu, je pourrais rester là-dessus une heure de plus. Arrêtons-nous juste une minute. Dieu dans son univers, je vais me dépêcher avec les autres rapidement. Dieu dans sa parole. Vous croyez que Dieu est dans sa parole? Chaque semence de Dieu, chaque parole de Dieu est une semence. Vous croyez cela? Maintenant, c'est juste comme une graine que vous avez plantée. Si c'est du blé, ça donnera du blé. Et chaque parole de Dieu, chaque promesse divine de Dieu s'accomplira exactement si vous la mettez dans le bon type de sol et la laissez pousser. Le croyez-vous? Placez-la et dites, Seigneur, c'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri. Je suis guéri. Je l'accepte, Seigneur, et je ne dirai plus rien d'autre. Je vous le dis, mon frère, cela fait cracher la poussière au visage du diable. C'est ainsi dit le Seigneur. Je resterai là à vivre ou à mourir. Je resterai là, c'est ma conviction, c'est ma position. Je me tiendrai sur Christ le solide roc, tout autre terrain du sable mouvant. Restez ferme. Oui, en effet, il produira exactement ce qu'il a dit. Tout comme ici, j'ai remarqué des vergers où vous cultivez beaucoup de pommes. Vous prenez un petit pommier quand il est à peu près aussi grand, juste une petite pousse. Savez-vous que chaque pomme, chaque fleur, chaque feuille qui sera jamais sur cet arbre est sur lui à ce moment-là, le savez-vous? Le savez-vous?
Tu sais que tu pourrais ramasser 200 boisseaux de pommes sur cet arbre et que chacune d'entre elles se trouve dans ce petit arbre qui est aussi grand là? Et si elles n'y sont pas, d'où viennent-elles? Dis-moi qui les a mises là. C'est dans l'arbre quand il a commencé. C'est ce que vous devez faire avec l'arbre. Vous prenez l'arbre et vous le plantez dans le sol. Et ensuite, vous devez l'arroser. Et comme vous l'arrosez, il ne fait rien d'autre que boire et boire. Il doit boire plus que sa portion. Et plus il boit, plus il gonfle, il pousse des membres, puis il pousse des feuilles, puis il pousse des fleurs, puis il pousse des pommes, c'est bien ça? Et c'est ainsi un chrétien. Nous sommes plantés ensemble dans le Christ Jésus, qui est la source inépuisable de la vie. Nous sommes plantés en Christ et nous ne faisons que boire et boire et boire et pousser. Et tout ce dont nous avons besoin pour le voyage terrestre, la guérison divine, la puissance de Dieu et toutes ces autres choses sont dans chaque individu ici présent qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, car vous êtes plantés en Christ. Alléluia! Le baptême du Saint-Esprit! Oui, monsieur, et tout ce dont vous avez besoin pour le voyage de cette vie, même l'enlèvement, est juste en vous alors. Ne rejetez pas cela, c'est la vérité. L'enlèvement est en nous maintenant. Je vais le prouver par l'Évangile. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alléluia! Alors au ciel aujourd'hui, nous sommes glorifiés dans la présence de Dieu en ce moment. Je ne fais que pousser dans cette direction. Gloire! Dieu est dans sa parole. Vous le croyez? Très bien. Il faut se dépêcher maintenant. On pourrait dire beaucoup de choses ici, mais Dieu est dans sa parole. Chaque parole de Dieu est une semence. Vous comprenez? Et vous devez juste vous y accrocher. Maintenant, beaucoup de gens regardent leurs symptômes. Ils disent, « Oh, frère Branham, ma main ne va pas mieux. J'ai toujours cette douleur. » Cela n'a rien à voir avec cela. C'est l'attitude mentale que vous avez envers Dieu et sa promesse. Vous savez, un type qui avait un cas de symptômes, c'était Jonas, il avait vraiment les symptômes. Vous le savez, Dieu lui a dit de descendre à Ninive et il est allé à Tarse et il a pris une route plus facile. C'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils essaient de prendre la route la plus facile. Il a dit, tu descends à Ninive et tu vas t'écrier. Au lieu de cela, il est allé à Tarse. Et puis il s'est replié sur lui-même, il a rétrogradé. Il y a une tempête sur l'océan. Et ils lui ont lié les mains et les pieds et ils l'ont jeté hors du bateau. Une grosse baleine l'a avalé. Et tout le monde sait qu'après avoir mangé, une baleine ou tout autre poisson va directement au fond de l'eau. Nourrissez vos poissons rouges et regardez ce qu'ils font. Ils vont directement au fond de l'eau et posent leurs nageoires sur le fond. Ils rôdent dans l'eau jusqu'à ce qu'ils trouvent leur nourriture, puis ils descendent et se reposent. Voyez. Eh bien, maintenant, regardez. C'était un océan houleux. Et un prédicateur rétrograde, et il les a, les mains attachées derrière lui, les pieds attachés derrière lui, là, jetés dans une tempête. Et une baleine l'avale et descend au fond de la mer pour se reposer. Et ce prédicateur se retrouve là, rétrograde, dans cette situation. Il n'y a personne dans le bâtiment qui soit aussi mal en point aujourd'hui. Et il était là, au fond de l'océan, rétrograde, les mains liées derrière lui, à plusieurs kilomètres de profondeur dans le ventre d'une baleine. Des algues enroulées autour de son cou, du vomi jusqu'aux genoux. Et il a commencé à regarder par ici, c'était le ventre d'une baleine. Regardez par là, c'était du ventre de baleine. Partout où il regardait, c'était du ventre de baleine. Vous parlez d'un cas de symptômes, il les avait, c'est bien ça. Partout où il regardait, c'était du ventre de baleine. Ses mains étaient attachées derrière lui, il était rétrograde et s'est retrouvé dans le ventre d'une baleine au fond de la mer. Le ventre d'une baleine, le ventre d'une baleine. Eh bien, frère, il n'y a personne ici comme ça aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a regardé le ventre de cette baleine, tous ses symptômes, et il a dit, « Ce sont des vanités menteuses. » Oui, il a dit, « Une fois de plus, je regarderai vers ton temple saint au Seigneur. » Oh, mon frère, une fois de plus, je regarderai, non pas le ventre de cette baleine, non pas ma condition d'infidèle, non pas mes mains attachées derrière moi, non pas où je suis, non pas la mer agitée. Je regarderai vers ton saint temple, Seigneur. Quand Salomon a consacré ce temple et que la colonne de feu est entrée et est allée derrière la chose et s'est installée là, regardez ce que Salomon a dit. Il a dit,
Seigneur, si ton peuple est en difficulté quelque part, et qu'il regarde vers ce saint lieu, et qu'il prie, alors entends du ciel et délivre ton peuple. Et Jonas a cru que Dieu avait entendu la prière de Salomon. Alors il ne regardait pas ses symptômes. Il ne regardait pas le ventre de la baleine. Il ne regardait pas sa condition rétrograde. Il regardait la promesse de Dieu, la prière de Salomon. Et si Jonas, dans ces conditions, avec ce genre de symptômes, pouvait regarder vers un temple terrestre où un homme terrestre priait, combien plus un chrétien devrait-il le faire quand Jésus-Christ est mort pour vous, prenant son propre sang et se plaçant à la droite de Dieu aujourd'hui, faisant des intercessions pour tout ce que vous confessez qu'il a fait. Oh là là! Éloignez de vous! Éloignez-vous de moi, symptômes! Vous êtes une vanité menteuse! Je ne vous croirai plus! Jésus-Christ m'a guéri quand il est mort au calvaire. Alléluia! Tu me dis que je dois continuer à fumer des cigarettes, à boire du whisky, tu es un menteur! Je refuse de le voir. Je regarde vers ton temple saint, Seigneur, où Jésus, le Fils de Dieu, se tient à la droite du Père en intercédant pour moi. Oh là là! Je suis vraiment un holy roller maintenant, un saint comédien. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai navigué sur les sept mers, je n'ai jamais vu de holy roller. C'est un nom que le diable a collé sur l'Église. Mais s'il voulait que je le fasse, eh bien, je roulerai par terre. Holy roller, quelqu'un qui roule par terre, pourvu que ce soit saint. Oui, Dieu dans sa parole, le croyez-vous? Dieu dans son univers, Dieu dans sa parole. Maintenant, rapidement, allons chercher Dieu dans son Fils. Vous croyez que Dieu était dans son Fils? Il l'était. Il était plus qu'un homme, je vous l'ai enseigné hier. Il était plus qu'un homme. Il était Dieu. Dieu n'est pas, c'est quelque chose qui n'a pas été nettoyé dans la réforme, vous voyez ici. Beaucoup de gens disent, les Juifs essayent de nous dire, il y a des Juifs ici, c'est la plus grande pierre d'achoppement que les Juifs aient jamais eue, parce que nous ne rendons pas les choses claires pour les Juifs. Ils pensent que nous croyons qu'il y a trois dieux absolument individuels. C'est un mensonge. Il n'y a qu'un seul Dieu. Absolument un seul Dieu. Il y a trois dispensations, les trois manifestations, mais le même Dieu à chaque fois. C'est comme une règle de trois pieds. Vous avez 12 pouces ici, vous avez 24 pouces ici, vous avez 36 pouces ici, mais c'est la même règle. Dieu, le Père, se révélait, se déployait, essayant d'atteindre l'homme. Dieu, le Père, s'est manifesté dans une colonne de feu suspendue sur la montagne. Mais Moïse a redouté le tremblement de terre, n'est-ce pas? Si une bête s'approchait de la montagne, elle devait être transpercée d'un dard, et c'est exact. Puis le même Dieu s'est manifesté dans la chair et habité parmi nous dans un corps né d'une vierge afin d'ôter le péché. Croyez-vous cela? C'était Dieu le Fils. Vous le croyez? C'est le même Dieu. Mon Père et moi sommes un. Mon Père habite en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père. C'était Jésus qui parlait de son Père, le même Dieu révélé ici-bas dans un corps de chair qui était suspendu dans une colonne de feu. La colonne de feu parlait à Moïse dans le buisson ardent. Il disait, « Dis à toutes les générations que je suis celui qui suis. » Et Jésus se tenait à la fête et disait, « Je suis le Je suis. » Bien sûr, le même Dieu, juste 12 pouces étant de 12 à 24 pouces, était déplié. Maintenant, la fois suivante, il s'est révélé, d'abord dans la colonne de feu, puis dans le corps né d'une vierge, son Fils, et maintenant, il fait son chemin jusqu'à l'humanité. Et maintenant, il se révèle dans l'homme pécheur qui a été régénéré de nouveau, vivant dans l'Église entière. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père et le Père en moi, et moi en vous et vous en moi. Oh là là, vous voyez? Dieu dans son peuple, alléluia! En train de sortir, bien sûr, Dieu est en accord avec le peuple. Il s'est déployé de l'être surnaturel jusqu'à un corps né d'une vierge pour enlever les péchés. Quand il est venu de Dieu, il est retourné à Dieu. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous. Je, c'est un pronom personnel. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Voyez comment Dieu amène son chemin saint? Il ne pouvait pas descendre directement et sauter dans le péché. Dieu devait purger ce chemin, le nettoyer. Afin de le faire, il était une colonne de feu. Puis en tant que fils né d'une vierge, il a enlevé le péché des corps humains. Et après cela, Dieu lui-même a pu habiter parmi son peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous le croyez?
Quand il était sur la terre, il disait qu'il était Dieu. Il ressemblait à Dieu. Il parlait comme Dieu. Il a prêché comme Dieu. Alléluia! Il a guéri comme Dieu. Il est ressuscité comme Dieu. Il s'est élevé comme Dieu. Alléluia! Et il était Dieu. Alléluia! Il était Dieu dans la chair. Dieu était dans son Fils, se manifestant à son peuple. Oh, combien de fois nous pourrions aller à cela et voir ce que c'était. Mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire. C'est Dieu qui se dévoile. Il est sorti de la nature, il est descendu dans la chair de son Fils. Dieu, venu dans la chair, Jésus-Christ, le Logos, qui est sorti au commencement. Au commencement, personne ne pouvait voir Dieu. Puis le Logos est sorti. Puis Dieu s'est manifesté dans l'homme. L'homme a péché. Puis Dieu est descendu et s'est révélé dans la chair. Il a ôté le péché, il est revenu encore pour vivre dans les gens et leur parler, comme il l'a fait avec Adam et Ève. Alléluia! Maintenant, mes parents, avant moi, étaient catholiques. Mes frères, vous voyez, il ne reste plus grand-chose des catholiques en moi, en tant qu'être triunitaire, c'est exact, oui. Ils croyaient en la filiation éternelle, où il y a trois êtres individuels réels, Dieu le Père, un vieil homme avec une longue barbe blanche, Dieu le Fils, un homme d'âge moyen, et le Saint-Esprit était une sorte de mascotte. Ces choses-là n'existent pas, il n'y a qu'un seul Dieu. Et je ne suis pas du tout d'accord avec l'organisation de la Pentecôte qui appelle l'unicité comme si votre doigt était unique. C'est faux, absolument, c'est faux. Jésus ne pouvait pas être son propre père. Et si Dieu est un homme, alors Jésus est né du désir sexuel et non d'une naissance vierge. Cela règle toute la question, vous voyez. S'il est un comme votre doigt est un, alors quoi? Alors il était son propre père. Comment aurait-il pu l'être? C'est faux. Jésus avait un père. Vous ne pouvez tout simplement pas voir la manifestation de Dieu se déployant comme un père aimant, descendant directement des cieux, se dévoilant lui-même, descendant vivre parmi les êtres humains ici sur la terre. Voilà. Dieu était dans son Fils, et maintenant je vous ai aussi révélé que Dieu est dans son peuple. Croyez-vous cela? Alors quand Dieu, ce même Dieu qui vivait là-bas à l'époque où Moïse a vu la colonne de feu, n'est-ce pas? Combien croient que c'était l'ange de l'Alliance? Dites Amen. Eh bien, l'ange de l'Alliance était Jésus-Christ. Moïse a estimé que les richesses de Christ étaient de plus grands trésors que celles de l'Égypte. Et il a abandonné l'Égypte en suivant Jésus-Christ. Il a suivi le Christ à travers le désert qui était le Logos. D'accord. Maintenant, alors ici descend, le suivant est la filiation, puis le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Matthieu a dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Bien sûr. C'est le même Dieu qui se déplace dans ces trois dispensations, Père, Fils et Saint-Esprit. Non pas trois êtres individuels différents, mais un seul être dans trois manifestations différentes. Alléluia! Gloire! Frère, je vous dis que cela frappera le diable dans les côtes tous les jours pour le faire crier comme un cochon, c'est vrai. Parce que c'est une puissance de Dieu révélée dans ces derniers jours. Quelqu'un a dit l'autre jour, « Frère Madame, vous ne pouvez pas expliquer la Trinité. » Il a dit, « Descendez et trouvez-vous une institution pour aliéner. » J'ai dit, « Non, monsieur, je ne peux pas l'expliquer. Mais le Dieu céleste qui habite ici connaît toutes choses. Et il nous le révélerait comme nous avons besoin de le savoir. » Amen. Je le crois de tout mon cœur. Je sais qu'il en est ainsi. Cela s'accorde parfaitement avec l'Écriture et le rend clair. Dieu est dans son Fils. Dieu est dans son peuple. Alors regardez ce qu'il a fait là-bas. Regardez ce qu'il a fait à l'époque de sa filiation. Maintenant, regardez ce qu'il fait ici dans la dispensation du Saint-Esprit. Comment il s'est élevé parmi le peuple. Il fait les mêmes signes et les mêmes prodiges. Il ranime les morts. Est-ce bien cela? Ressusciter les morts, ceux qui sont physiquement morts, les ramener à la vie. Lisez la brochure et voyez les déclarations. J'en ai vu trois dans mon humble ministère. Les médecins les avaient déclarés morts et partis, décédés. Et par une vision, Dieu l'a montré. Et ils sont revenus à la vie et vivants aujourd'hui. Écrivez, demandez-leur, et voyez si c'est vrai. Jésus-Christ n'en a ressuscité que trois dans toute sa vie pour montrer qu'il faut établir un témoignage de trois personnes. Est-ce bien cela que toute parole soit établie par la bouche de deux ou trois témoins? Alors Dieu vit dans son peuple aujourd'hui, parce qu'à l'époque où Jésus est entré à Jérusalem, il y avait une grande joie et le peuple s'est mis à crier « Hosanna, Hosanna, à celui qui vient au nom du Seigneur ». Et les vieux prêtres et les pharisiens et tous disaient « Faites-les taire !» Ils me rendent nerveux. Je prêchais ici il n'y a pas longtemps, il y avait une petite femme qui criait et hurlait à tue-tête.
Il y avait un homme qui était professeur d'école du dimanche dans une église baptiste à Jeffersonville qui disait, « Billy, j'appréciais votre service jusqu'à ce que cette femme se mette à crier et à pleurer. » Il a dit, « Comment diable pouvez-vous prêcher quand les gens hurlent comme ça? » Et j'ai répondu, « Je ne peux pas prêcher à moins qu'ils ne crient comme ça. » Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas comment ils le reçoivent. J'avais un chien avec qui je chassais et on l'appelait Fritz. Il prenait n'importe quoi, n'importe quel arbre dans le monde, sauf une moufette. Il ne voulait pas l'attraper. Il le plantait dans un tas de broussailles et ensuite il continuait à tourner autour du tas de broussailles en aboyant. Et la seule chose que j'avais à faire pour qu'il aille chercher ce putois était de soulever le tas de broussailles et de le tapoter en disant « Cherche, cherche mon gars ». Il y allait attraper le putois. Et maintenant mon frère, chaque fois que j'entends un « Amen », c'est « Attrape-le mon gars ». Et la plus grosse moufette que je connaisse, c'est le diable. Allons le chercher dans un buisson tout de suite et allons le chercher. Allez, oui, attrape-le mon gars. Oh, a-t-il dit, frère Branham, quand cette femme s'est mise à pleurer, il a dit, ça m'a donné des frissons dans le dos et j'ai dit, mon frère, si vous aviez la chance d'aller au ciel, vous mourriez de froid parce qu'il y a des cris et des hurlements devant le trône de Dieu jour et nuit qui crient saint, saint, saint au Seigneur. Dieu est un esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Alléluia. Alors Dieu, le Père dans son univers, Dieu dans son Fils, Dieu dans sa parole, et maintenant Dieu est dans son peuple. Alléluia! Cette vie immortelle, vivifiante qui vous a sorti de ce tripot, qui vous a sorti du quartier des clochards, cette chose qui vous a pris et a fait de vous une dame, cette chose qui vous a empêché de fumer, de boire et de se mal conduire dans la vie, c'est Dieu dans son peuple. Cette chose qui, lorsque le Saint-Esprit prend la parole de Dieu et la pulvérise sur les gens comme ça avec sa puissance, votre cœur la saisit. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu dans son peuple. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia! Vous dites vous êtes excité. Non, je ne le suis pas. Je sais où je suis. Je ne suis pas excité. Eh bien, mon frère, si je suis excité, laissez-moi rester excité. Je veux rester comme ça jusqu'à ma mort. Alléluia. Je profite plus de la vie en restant comme ça. Mais pourquoi Dieu est dans son peuple, se manifestant dans la chair d'êtres mortels qui sont nés de nouveau? Est-ce que vous le croyez? Vous croyez que Dieu est dans son univers? Vous le voyez dans la lumière du soleil? Vous le voyez dans l'arbre? Dans la fleur? Dans sa parole? Dans son fils? Dans son peuple? Alors voici Dieu juste ici. Amen. Connaissant les pensées des hommes, discernant les pensées, guérissant les malades, faisant voir les aveugles, entendre les sourds, faire marcher les boiteux, la seule chose qui limite Dieu est notre foi. Alléluia. Oh là là, mon Dieu. Je passe un temps formidable ici, un temps glorieux. Je passe un temps glorieux. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin et que l'horloge continue de tourner. Je l'aime, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et il a acheté mon salut. Sur l'arbre du calvaire. Préparons-nous à chanter maintenant. Fermez les yeux, levez les mains. Venez ici, frère Baxter. Que quelqu'un m'aide. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et il a acheté mon salut. Sur l'arbre du calvaire.
Inclinons nos têtes dans un mot de prière. L'aimez-vous vraiment cet après-midi? Que ferions-nous sans Jésus? Des Grecs sont venus un jour et ont dit, « Monsieur, nous voudrions voir Jésus. » Maintenant, vous le voyez aujourd'hui. Vous le voyez aujourd'hui, vous passez la porte, vous le verriez dans ce buisson, vous le voyez dans ces fleurs, le long de la rue là-bas. Il vous parlera quand ce petit oiseau se pose là, qu'il lève la tête et se met à chanter cet après-midi au coucher du soleil. Il est heureux. Il n'y a pas longtemps, j'étais sous le porche. Des grues de sable s'envolaient vers leur nid. Ma femme et moi, nous étions là. J'étais si fatigué, je revenais d'une réunion. J'ai commencé à pleurer. Une dame est montée sous le porche et m'a donné la photo d'un bateau sur la mer et le soleil qui se couchait. Il y avait un poème. Le coucher du soleil et l'étoile du soir. Un appel clair pour moi et qu'il n'y ait pas de deuil quand je prendrai la mer. Oh Dieu! Mon cœur a commencé à battre rapidement. Des petits rouges-gorges se sont envolés dans un arbre. Dieu les avait nourris toute la journée, ils rentraient alors à la maison. Il commençait à faire nuit, et les grues de sable descendaient se rassembler avec leurs proches sur la rive du fleuve et restaient là toute la nuit. Et j'ai dit, chérie, elle a mis son bras autour de moi et elle a dit, Bill, tu es si fatigué, on dirait que tu pourrais t'évanouir. Mais un jour, le soleil se couchera sur mon front. Le soleil de ma vie s'abaissera. Un de ces jours, je ferai mon dernier sermon. Et quand le soleil se couchera, je saurai qu'il y a une place pour moi. Je veux me réunir avec lui là-bas, avec vous tous, le reste d'entre vous. Doucement maintenant, chantons. Y a-t-il un pécheur dans le bâtiment qui lève la main ou qu'il se lève venant ici en disant « Je vais accepter Jésus comme mon sauveur » Pendant que nous avons nos têtes baissées, fredonnons cela. Pensez-y, chrétiens. Pensez-y, hommes et femmes pécheurs. L'ange du Seigneur est ici maintenant. Prenez votre décision pour Christ cet après-midi, voulez-vous? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ne sortez pas sans lui. Si vous croyez que je suis son serviteur, ne partez pas. Restez ici, même si ça prend une semaine. Recevez le Saint-Esprit tout de suite. Un jour, on se rassemblera et le soleil se couchera. Pendant que vous avez les têtes inclinées, vos cœurs inclinés aussi, je veux demander à Frère Bosé de nous conduire dans la prière juste maintenant, pendant que vous avez la tête inclinée.